Bonjour à tous, c'est Elias et on se retrouve pour un nouvel épisode de Liés sur FUT. Aujourd'hui, il est question de la Division 5 en ligne et vous pouvez voir dans cet épisode que je vais franchement galérer. Donc on commence le premier match de cette division avec une Liga BBVA pas mal. Donc ça commence avec une première action avec Alexandre Lacazette, vous allez voir qu'il va frapper et qu'il va buter sur le gardien espagnol. Lacazette une deuxième fois avec la barre et attention l'action qui va terminer Lacazette. C'est Bryce White qui va tenter sa chance maintenant. Et encore la parade de Cassia. Ouais, on peut dire ça comme ça. Uche qui va tenter sa chance maintenant, qui va frapper la frappe de Uche, l'enrouler du pied gauche. Et ça fait 1-0 pour les jeunes de Villarreal. Lacazette qui va tenter de suite après coup sur coup, qui a tenté peut-être d'égaliser. Il va crocheter 4 ou 5 joueurs, 6, même 7 joueurs, je sais pas. Et là, il remporte un penalty que l'arbitre donne gentiment à Yohan Gourcuff. Gourcuff qui va se charger de ce pénalty. Attention à la frappe de Gourcuff. Et contre-pied parfait. Yohan Gourcuff qui ouvre, qui égalise et qui ouvre les réponses des hostilités. Donc, et ça fait un but partout. Donc, nouvelle action maintenant en seconde période à la 70e minute. Donc, on peut voir que Uche va tenter de trouver Pedro. Pedro qui va tenter d'effacer Ben Arfa. Mais Ben Arfa qui réussit à tant bien que mal récupérer ce ballon. Ça revient sur Luka Modric qui joue avec Rakitic. Rakitic pour Rodrigo. Rodrigo qui se bat avec Abdenour. Et attention, Rodrigo qui revient et qui réussit à tromper Steve Mandanda. Donc la saison commence bien avec un premier match, une première défaite. Donc en cette division 5. Et on va tenter de contrer cette Bundesliga. On va dire low cost. Donc ça commence avec une première action. Vous voyez Lacazette qui fait un appel de balle magnifique. Et que Yohan Gourcuff le redonne parfaitement. Lacazette de son mauvais pied bien réussit à tromper la vigilance bien du gardien de cette équipe de Bundesliga. Ça continue avec De Bruyne qui trouve Castro avec l'équipe avec le maillot de l'AS Roma qui a tenté Castro de faire une fin de frappe et tout simplement tromper la vigilance de Steve Mandanda du pied gauche. Castro qui réussit à tromper mon équipe avec Abdenour, Mavouba, Bedimo et compagnie. Donc ça continue avec une nouvelle action maintenant pour cette équipe de DNA Soccer qui va trouver Immobilier pour De Bruyne. Blachikowski avec sa vitesse de 87 qui réussit encore une fois à tromper pour la deuxième fois la vigilance de Steve Mandanda. On revoit en ralenti Bedimo top à crête et Mandanda a un léger cran de retard. Jakub Blachikowski pour donner l'avantage à l'équipe adverse, mais Bryce White n'a pas dit son dernier. Bryce White qui pousse le ballon, qui va tenter, pourquoi pas, et bien de trouver un penalty. Il a tenté un Ronaldo Shop. Et voilà, Lacazette qui se fait tacler irrégulièrement par le gardien de but qui est Vandenfeller. Et Lacazette donne ce penalty à notre tireur officiel, Yohan Gourcuff. Yohan Gourcuff qui va tenter, et bien de tromper Adler, pardon, et pas Vandenfeller. Et Gourcuff qui donne l'égalisation à mon équipe. Nouvelle action à la 50e minute. Magnifique passe dans l'intervalle pour Alexandre Lacazette. Et Lacazette ne s'est pas gêné là, il a tiré comme il fallait et Adler a été spectateur de cette frappe magnifique de Alexandre Lacazette. Nouvelle action avec Martin Bressouet qui combine avec Lacazette. Lacazette encore une fois avec sa vitesse fulgurante qui va tenter d'avoir une nouvelle occasion et un nouveau penalty. On voit encore une fois Adler qui fait un tacle irrégulier qui couple Alexandre Lacazette. Atem Ben Arfa va se charger cette fois-ci de ce penalty. Va-t-il le transformer Atem Ben Arfa de son pied gauche? La réponse c'est oui. Atem Ben Arfa qui donne un léger avantage à mon équipe. Pour ce troisième match, nous allons tomber sur une Barclays Premier League. Une belle Barclays Premier League d'ailleurs, avec du Mohamed Salah, du Sevan Jovicic et du Ashley Young. Alors Lacazette qui va envoyer tout le monde dans le vent en poussant le ballon d'abord très fort et en arrêtant tout de suite la balle. Les défenseurs centraux de cette Barclays Premier League n'ont rien compris. Regardez Mamadou Sakho qui est parti dans le vent et Alexandre Lacazette qui trouve la lucarne opposée. John Obi-Mikel qui intercepte ce ballon, qui joue avec Mohamed Salah, l'Égyptien qui tente de dribbler l'écorcher, voilà qui est fait. Il va envoyer Abdenour dans le vent en faisant une passe magistrale à Esteban Jovicic. Et ça fait donc l'égalisation. Ensuite, Mohamed Salah qui va trouver Esteban Jovicic, Mandanda en bout de course. Et Jovicic qui coupe parfaitement cette balle et chip la balle des mains de Mandanda
pour donner l'avantage à son équipe. Rio Mavuba maintenant, qui glisse à Martin Braithwaite. Braithwaite, que va-t-il faire? Eh bien, un scoop turn, et il trouve le camp posé, ce qui vaut le 2 buts partout. Regardez, magnifique, c'est une fin de frappe. Ici, Alessandrini, qui joue en retrait avec Henri Bédimo. Bédimo qui va jouer Gourcuff, et là, Gourcuff, magnifique, de son pied droit, qui met une grosse frappe et qui donne aucune chance au gardien adverse de s'imposer. Deuxième victoire dans cette division 5. J'entame ce quatrième match avec de la sérénité, mais vous allez voir que la confiance ne fait pas tout dans ce jeu. Et vous allez voir que je tombe sur une équipe totalement cheatée avec Depay, Ibarbo et Cuadrado sur la ligne des trois attaquants de ce 4-3-3 hybride. Donc ça commence avec une première action avec Rio Mavuba qui la glisse pour Alexandre Lacazette dans l'axe. Lacazette qui fait un Ronaldo Shop et qui la loge petit filet. Sirigu est battu, on va savoir ralenti. Voilà, c'est tout à fait magique de la part d'Alexandre Lacazette. Et là, ça commence avec une action très bizarre et litigieuse, vous allez voir. Voilà, Abdenour qui tente de choper le ballon. C'était Korchia qui a été sélectionné par le computer. Et là, David Luiz va charger de se transformer ce penalty. J'essaie de la jouer à l'intox avec Steve Mandanda. Mais malheureusement, voilà, ça ne suffit pas. Je réussis à la toucher, mais David Luiz réussit à égaliser. Donc, une nouvelle action avec Daniel Eder aussi qui va la glisser là-bas pour Cuadrado. On connaît la vitesse, tous les joueurs de fut connaissent la vitesse de Cuadrado. Cuadrado du pied gauche qui réussit à passer Steve Mandanda. Et ça fait donc 2 buts à 1 pour mon équipe et je perds ce quatrième match. Et pour ce cinquième match, nous allons tomber sur une attaque ultra cheatée. Regardez, avec encore du Cuadrado, du Ibarbo, du Adrien Ramos. Ici nous avons du Kevin De Bruyne de Wolfsburg, un carte boost, Bastian Schweinsteiger, Ilkay Gundogan et une défense à 4 de Bundesliga. Donc on va jouer contre Bombaroli Team, donc je sais pas, un truc italien peut-être, je sais pas. Et ça commence avec Martin Braithwaite qui a tenté de dribbler toute l'équipe, mais c'est Ibarbo qui va tenter, non, regardez, Bastian Schweinsteiger qui intercepte. Et ça lance Ibarbo avec sa vitesse ultra cheatée. Et à 1 minute de jeu, ben ça commence très bien, on voit Cuadrado, Ibarbo, pardon, le Colombien qui a réussi à tromper Steve Mandanda. Nouvelle action à la 15e minute de jeu, regardez Adrien Ramos qui lance en profondeur Victor Ibarbo, et Ibarbo peut-être pour le doubler, ben oui, il a réussi à marquer ses 2 buts coup sur coup en l'espace de 10 minutes, Mandanda qui n'a rien pu faire, ou qui aurait pu faire quelque chose. Alessandrini, regardez, avec une magnifique frappe, poteau rentrant, ou barre rentrante, barre et poteau, avec le goal line technology que je vois, que j'ai réussi à capturer pour la première fois. Et on peut voir que la balle est bel et bien rentrée dans la cage et qui passe la ligne. Et le but peut être validé. On revoit ce but sous un autre angle. Regardez, ça tape la barre, ça tape le poteau et ça rentre tout de suite après derrière. Magnifique frappe de Romain Alessandrini. Donc la réduction du score et Cuadrado qui va se donner malin plaisir juste après ce but. Et bien, pourquoi? Vous savez quoi? Il a marqué pour enfoncer le clou. Sur ce corner, Ayman Abdenour qui réussit à réduire la marque à 80 minutes. Mais ça ne suffit pas pour gagner. Pour ce sixième match, on tombe sur une équipe appelée Real Madrid avec un 4-2-2 de magnifique de BPL où on voit du Lukaku, du Rémy, du Sturridge et du Jesus Navas en attaque. Et ça, c'est tout simplement énorme et vous allez voir que Lukaku et Sturridge ne m'ont pas fait de cadeau. Donc ça commence avec une première action sur un coup franc qui part de la moitié de terrain adverse. Sturridge qui réussit à éliminer Abdenour avec sa vitesse et Sturridge, l'extérieur du pied gauche, qui réussit à tromper Steve Mandanda au bout de 16 minutes de jeu. Regardez Sturridge, il n'est pas allé de main morte. Deuxième frappe à la 30e minute, regardez Sturridge qui réussit encore à éliminer Ayman Abdenour et du pied droit Sturridge qui trouve le poteau rentrant. Donc le calvaire continue en cette division 5 et ça fait la 3e défaite de suite. Allez, 7e match, on peut voir que c'est une Ligue 1 en 4-3-3-2 où on peut quasiment dire que c'est une full Paris Saint-Germain à quelques exceptions près qui sont Abdenour, Mavuba et João Moutinho. Première action dans ce calvaire, dans cette division 5, où on peut voir que Cavani va lancer en profondeur Lavezzi qui va éliminer Korchia d'une façon indécente et qui trouve le poteau rentrant Ezequiel Lavezzi pour ce premier but. À l'engagement, Martin Braithwaite qui donne à Lacazette et Moutinho qui intercepte de justesse, qui va trouver Ezequiel Lavezzi. Moutinho qui, avec une passe lumineuse, trouve Cavani et Abdenour
qui nous fait une deuxième faute dans la surface dans cette division 5 et qui va donner le penalty à Edinson Cavani. Cavani va-t-il tromper Steve Mandanda? Eh oui, à droite, contre-pied parfait, Mandanda est battu. Et mon équipe qui continue à sombrer, regardez, avec Mavuba qui va trouver Lucas. Lucas qui va réussir à crocheter Bedimo et tromper Steve Mandanda. Mandanda qui est battu pour la troisième reprise et septième défaite dans cette D5. Bim bam boum, tel est le nom de ce huitième adversaire. Sur ce huitième match où on voit qu'on tombe sur une Barclays Premier League encore une fois très puissante avec du Churlou, du Van Persie, Diego Costa et Willian. Qui va marquer sur ce premier but? Eh bien c'est Churlou, l'attaquant le moins probable qui s'impose de la tête sur corner. Nouvelle action avec Lacazette qui réussit à crocheter Tim Cahill. Attention à la frappe de Lacazette qui trompe la vigilance eh bien du gardien de but. Mignolet est battu et ça fait donc un but partout sur ce but de Lacazette. Attention, nouvelle action avec Johan Gourcuff qui lance en profondeur. Encore une fois, Lacazette, vous vous souvenez de ce Braithwaite Lacazette show où Lacazette et Braithwaite enchaînaient les buts sur but. Et bien là, Lacazette, avec l'aide des deux poteaux, réussit à donner l'avantage à mon équipe. Nouvelle action avec Willian qui lance. Costa, pardon, qui tente de trouver en profondeur Willian. Willian qui va faire une PES devant Steve Mandanda. Et Churlou pour son doublé qui réussit à me tenir en échec. Mais attention, c'est pas fini à la 90e. Qu'est-ce que vous croyez? Dans les arrêts de jeu, eh bien, c'est. Devinez qui? Churlou qui réussit à m'infliger une 5e défaite d'affilée. Pour ce 9e match, nous tombons sur une Barclays Premier League où nous avons du Ozil, du Benteke, du Sterling prêté et du Adel Tarab. Ça commence avec Tarab, regardez, qui passe à Nemanja Matić pour Mesut Ozil. Attention à Mesut Ozil qui croise et qui trompe la vigilance de Steve Mandanda. Ça fait 1-0 d'entrée de jeu. Allez, c'est parti à Katem Ben Arfa pour cette nouvelle action qui lance un Maguedi spin. Ben Arfa qui a tenté de passer Matić. Ben Arfa, une fois qui passe Matić. Ben Arfa qui réussit, encore une fois, il va faire une louche pour une reprise de volée. Et Alessandrini qui a suivi en renard des surfaces pour terminer la magnifique action d'Atem Ben Arfa qui a frappé de son mauvais pied malheureusement. Nouvelle action avec Mesut Ozil qui va tenter de lancer Benteke en profondeur. Voilà qui est fait tout en puissance. Christian Benteke qui va frapper, qui va tremper la vigilance de Steve Mandanda. À la 72e minute de jeu, Christian Benteke qui redonne l'avantage au sien. Martin Braithwaite qui va tenter de lancer en profondeur. Lacazette, voilà qui est fait. Lacazette en bout de course, du bout du pied, qui réussit à tromper la vigilance du gardien. The Last One, le 10e match, victoire impérative, et bien pour avoir les 10 points du maintien. Donc nous sommes à 7 points au bout de 9 matchs, et on devra tenter de remporter ce match pour se maintenir. Donc avec une attaque avec Adrien Ramos et notamment Pierre-Emerick Aubameyang, on réussit et bien à ouvrir la marque à la 6e minute de jeu avec Martin Braithwaite sur un compte favorable de Romain Alessandrini. Alessandrini percuteur sur ce match, vous allez voir, et bien qui a rendu fou les latéraux adverses. Alessandrini, regardez, sur le côté gauche, qui a tenté une combinaison avec Martin Braithwaite. Voilà qui est fait. Alessandrini et Braithwaite qui sont déchaînés en ce début de match. Pour cette seconde période, regardez Alessandrini qui va tenter de passer, réussir à envoyer un coup de physique magnifique et un centre distillé sur la tête d'Alexandre Lacazette. Ça fait le but de du début à zéro. Alessandrini toujours déchaîné sur le côté qui va réussir à passer Rosenkreutz. Rosenkreutz qui subit les gestes techniques d'Alessandrini et Sokratis qui là aussi subit à cette fougue de Alessandrini qui obtient un penalty. Qui va s'en charger, et bien c'est Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa pour le but du 3-0. Attention Ben Arfa, la frappe. Et le gardien qui n'a pas bougé. Et mon équipe qui va réussir à se maintenir en division 5. C'est la fin du calvaire avec une victoire à la fin. Je me maintiens et je gagne 3900 crédits. Pour ce prochain épisode de Liège sur Fut, eh bien, je vais proposer eh bien, une nouvelle équipe. Donc il est temps de forger eh bien, mon club avec une équipe un peu plus compétitive. Donc j'ai suffisamment de crédits pour vous proposer une nouvelle équipe. Et ça sera dans le prochain épisode de Liège sur Fut. Allez, ciao ciao et calvaire de merde. Calvaire de merde, cette division 5.
Hi there, Alan Smith. Hi there to everybody from both of us, and welcome to this big match today. Well, there was a lot of speculation. Would it happen? Would it not? It has happened, and here he is. Here he is. The negotiations took a while, but I think it will be worth it because he is a talented player. Leicester City wanting a win because in their last game they dropped points by only drawing at home the match against Everton.